Salut à tous, c'est Pong de la chaîne Lo, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du saut. Alors le saut c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément très bien. C'est un outil qui a été utilisé apparemment pas mal dans les années 70-80 en hypnose aux États-Unis, avec la montée de l'hypnose à cette époque-là et avec de plus en plus de praticiens. Et certains praticiens, pour éviter qu'ils aillent chez d'autres praticiens d'hypnose, ils mettaient des sauts à leur partenaire, à leur patient, pour éviter qu'ils redescendent dans une transe avec une autre personne qu'eux-mêmes. Donc, l'idée est bacane, hein, c'est donc, vu qu'en France, l'hypnose est en train de devenir populaire, moderne, et qu'il y aura de plus en plus de praticiens, il est intéressant de savoir ce que c'est, comment ça fonctionne, et ce que ça fait à notre partenaire. Donc là, je suis avec Don Pocpoc, que vous avez déjà vu sur certaines vidéos. Don Pocpoc, ostéopathe hypno. Hypno-ostéopathe ou... Hypno-stéo. Hypno-stéo, voilà. C'est sympa. Donc, il ne connaît pas du tout le saut. Je t'en ai jamais fait de saut, non? Non, jamais. on va voir comment l'expérience fonctionne avec lui. À savoir que l'idée est donc de créer une espèce de verrou, une espèce d'ancrage, mais là le terme ancrage, l'ancrage de manière générale se délite avec le temps, alors que le sceau a une faculté à bien tenir, parce qu'en fait on l'associe vraiment à la figure d'autorité. Je pense que c'est vraiment ça la chose forte, c'est que c'est la figure d'autorité, un petit peu comme la menace qu'on retrouve dans les transes profondes, qui fait que le sceau il s'ancre bien. Et que effectivement c'est que la figure d'autorité qui peut l'enlever. En tout cas, dans un premier temps, après je vous expliquerai sur une autre vidéo comment on enlève un sceau, ce serait plutôt bien, quand c'est pas vous-même qui mettez un sceau. Une question qui revient souvent, et j'ai fait des tests, mais je suis pas encore hyper satisfait du résultat, j'ai tenté de mettre des sceaux sur type l'arrêt du tabac, sur des anxiétés, des peurs, des trucs. En gros, à chaque fois que tu auras cette crise-là, cette envie, ce besoin, automatiquement tu sors de ta transe. Alors certains ont eu des super feedbacks, d'autres ça n'a pas fonctionné comme prévu, alors je ne sais pas ce que j'ai mal fait, parce que je pense que ça vient de moi. Mais on a cette capacité-là de mettre des sceaux sur certaines attitudes. C'est-à-dire type je clope, et on met un sceau à chaque fois que tu auras envie d'une clope, tu vas ressortir de ta transe de fume, d'envie de fumer, et tu vas vraiment avoir une espèce d'étonnement, et ta clope tombe en fumant. Voilà, j'ai pas toujours eu des très bons résultats dessus, c'est pour ça que je vous en parle un petit peu comme ça, mais c'est encore en cours de test, et je pense qu'il me faut encore quelques années pour vous donner des feedbacks sympas. Voilà, donc là, je vais vous faire une expérience avec Don Pocpoc, et il pourra lui tester avec une tentative d'entrer en auto-hypnose. Tu rentres facilement en auto-hypnose? Ok. Donc, très simple, je fais, hop, bon, regarde ta main, hop, elle s'approche de toi, hop, elle recule, tu la requêtes, et là tu te détends, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, encore plus profondément, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, profondément, là tu te retrouves au niveau étoile, 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 ok, très bien. À partir de maintenant, à chaque fois que tu voudras retourner dans un niveau de transe, qu'il soit léger ou profond, tu ne vas plus y parvenir. C'est comme si automatiquement tes yeux allaient se rouvrir et que tu allais complètement sortir de cette transe d'approfondissement pour simplement, facilement et naturellement rester dans un état de veille, d'éveil à ce moment-là. Donc, à partir de maintenant, plus personne hormis moi ne peut t'emmener dans un état de transe. Automatiquement, tu ouvriras tes yeux et tu reviendras en état de veille classique, pas du tout dans un état de transe ouverte à suggestion ou autre. Simplement, tu reviendras comme si tu te... comme un petit choc de réveil à chaque fois, comme si chaque fois que tu avais fermé tes yeux, ouf, automatiquement, hop, tu les rouvres. Et tu vas sentir que tu ne pars pas. Même si toi, tu le décides, tu ne pars pas. Et tu ne pourras simplement que quand je le ferai, normalement, naturellement. Personne d'autre que moi pourra le faire jusqu'à ce que j'enlève
se sauve. Simplement, tu laisses ton subconscient infuser complètement cette suggestion. Tu poses ce seau, je pose ce seau, je pose ce seau, tu poses ce seau, je pose ce seau, tu poses ce seau. Et là, simplement, ça y est. Dans quelques instants, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu ouvriras tes yeux plein force d'énergie. Et automatiquement, tu pourras t'apercevoir que quand tu vas tester pour rentrer en auto-hypnose, tu n'y arriveras plus. Tu pourras tester à différents niveaux, tu n'y arriveras plus. Automatiquement, tu ouvriras tes yeux. Et si quelqu'un d'autre testait, ce serait la même chose. Tu ne rentrerais pas en transe. 1, 2, 3, respire profondément. 4, 5, yeux. Comment tu te sens ? Bien. J'ai senti mon corps, il a fait... Ok, vas-y. Tente une... de te mettre en auto-hypnose. Alors, je sais pas, il faudrait que je zoome. Attends, je vais zoomer en même temps. Il se passe quoi, là? Il se passe quoi? Il vient, il s'ouvre. C'est ouf, hein? Hop, reteste. Regarde, ça va bien passer la caméra parce que je pense que c'est intéressant. Ok. Vous voyez, le truc, c'est que ça ouvre automatiquement. Hop, les yeux. C'est dingue, hein? Ouais. C'est super bizarre, surtout que t'as un ancrage d'étoile qui est bien. Oui, oui. Et donc, c'est ça que ça fait. Donc, certains praticiens d'hypnose qui savent pas trop gérer ça, ils vont se dire, oh putain, merde, mon partenaire, il part pas. Alors, surtout les praticiens qui ont l'habitude de se dire, il faut que mon partenaire ait les yeux ouverts. Mais même les yeux ouverts, tente, hein, tu peux tester. Tu vas voir, c'est... Il y a un truc qui va te... Bah, toi, c'est le rire, en fait. Ouais, c'est drôle. Donc, en fait, lui, son cheminement, pour ça, c'est le rire. Il va avoir un truc qui bloque. Donc, comment toi, tu le sens? C'est intéressant, toi, avec tes mots à toi, parce que... Comment je le sens, quoi. Ouais, je trouve que... Ouais, non, c'est pas possible. ouais, que dire, c'est... Ouais, je sais pas, ça m'ouvre les yeux et ça me redresse, alors que je suis plutôt me laisser aller facilement quand je pars dans ma transe. Là, ouais, c'est un peu surprenant. C'est drôle, hein, et pourtant on se dit que ça serait... Moi, au départ, je me suis dit, mais non, c'est du bidon. Je l'ai testé et je me suis dit, putain, c'est pas du bidon, quoi. Et c'est puissant, en plus, comme petit truc. Hein. Bah, ouais, en plus, j'étais un peu... sceptique, j'étais là, qu'est-ce que je suis en train de me rappeler? Ouais. Et puis, tu sais, pareil, quand tu disais, ouais, je suis le seul à pouvoir te poser ce saut, et la petite voix qui disait, ouais, moi aussi, hein, je pourrais très bien partir. Ouais, mais que dalle. Là, c'est vraiment là, ça paraît rien, ça paraît anodin, un saut, et pourtant, c'est puissant. Aujourd'hui, à ma connaissance, hein, c'est pas vraiment enseigné en France dans les écoles d'hypnose. Moi j'enseignais aux gars, en tout cas j'en parlais, je le montrais de temps à autre parce que je trouve que c'est intéressant. C'est plus vraiment d'actualité, mais comme je vous dis, il y a de plus en plus de praticiens d'hypnose et que bah, parfois chacun ses armes pour avoir du patient. Il se peut que certaines personnes, ou peut-être par maladresse, on va dire, peuvent poser un seau malencontreusement. Je lui posais un saut, il peut plus aller en France avec toi. Donc voilà, l'exemple, je voulais que ça soit fait par quelqu'un d'extérieur qui connaît déjà sa transe, plutôt que quelqu'un qui connaît pas. Bon, le seul truc qui est dommage, c'est que là, j'ai parlé à une autre personne, parce que c'était intéressant de le voir aussi avec quelqu'un d'autre. Je vous ferai une autre vidéo une fois, quand on sera trois, pour que vous puissiez voir avec un autre hypno qu'on va tenter. Alors ça aussi, c'est très drôle, les attitudes sont un peu différentes. On fera ça, je prendrai un autre partenaire, puis on fera peut-être que Don Pop sera un des thérapeutes, un des praticiens à ce moment-là. Ok, je te remets. Tu veux garder ton saut ou pas? Non. T'imagines, tu fais ça à ton partenaire et tu dis bon, alors maintenant tous les jours il faut que tu travailles en auto-hypnose. Ça peut être un peu pas sympa, mais bon. Donc, si vous n'aimez pas votre partenaire. Non, je déconne. Oh, challenge 1-3, ça fait marrant. Je crois que c'était sur Boop 7 que je l'avais fait une fois. Je peux pas te dire de conneries. Je me souviens qu'elle
Non, non, ouais, Boop 7, ça l'énervait. Donc, Boop 6 qui fait du 3, hein, donc elle aime bien le challenge. Elle me dit, non, j'y arrive pas, je suis pas capable. Et ça l'énervait, hein, donc ça crée de la frustration, ce qui est pas une bonne chose. C'est bon pour toi? Ouais. Ok, inspire. Normalement, c'est moi, naturellement. Simplement. Je vais permettre à tout ton corps de se détendre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Là, on voit à nouveau, il est à nouveau dans sa transe. Et là, simplement, j'enlève. Maintenant, le saut. Je décèle. Complètement. Ce saut est en train de disparaître et ne plus jamais revenir. Voilà, simplement tu es libre et libéré de ce saut. Respire profondément et quand tu sais que tu es complètement libre et libéré de ce saut, tu ouvres tes yeux. Ok, ça va? Ouais. Retest. Bah là, ça pose pas de problème. C'est marrant, hein? Mmh. Yes, tac. Nickel. Donc voilà, ça c'était le saut. Je vous expliquerai sur une autre vidéo. Comment faire quand il y a un saut et que vous ne savez pas le gérer, quoi. En fait, votre partenaire est comme ça, vous dites putain merde, dès que je l'emmène, il remonte, ou il veut pas descendre, ou il a une résistance qui fait qu'il descend pas. Je vous montrerai comment on peut faire. C'est assez simple, mais fallait y penser, tout simplement. Donc vous verrez ce que ça donne sur une autre vidéo. Voilà, comme ça je suis un peu teasing. Je suis comme ça, je suis un teaser. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement que possible. Merci Don Poc Poc pour l'expérience. Et puis, comme d'habitude, de ce qui est montré ici ou que je vous propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Prenez soin de vous, B1. Ciao. Ciao.